Désormais, Maître André Michel pas fait partie de avocats qui défendent cause l'agent Petro-Caribéa encore. Actuellement, nous gagnons Maître Antoine Maisonneuve, c'est lui-même qui gagne une responsabilité si là depuis environ une année, d'après ce que dirigeant réseau national Pléan Petro-Caribéen fait qu'on est là, qui c'est Maurice Noël, et il était quoi que un jour la justice va triompher dans le dossier si là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous tous connaissons déjà que, depuis après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, mouvement Abolochoa, il vient renforcer sous scène politique là. Politiciens, pas bon ici, ils ont changé position, tant que c'est l'air a changé chemise. Donc, ils ont cherché qui bon, l'eau va couler plus frais pour eux. Non, petit temps qui pas trop long, ou pas le chance tendez, un reportage à propos. Mais, dans l'autre bois, nous gagnons un gros du feu qui est arrivé éclater dans la nuit dimanche 11 pour l'ouvrir 12 juin 2023 là. Eh bien, du feu ça a pété dans le marché 2000, Delma 29 là. Dégâts considérables, d'après un pile machin, yo fait qu'on est que yo perdu tout avoyo dans du feu si là. Et d'une autre part, autorités policières dans divers départements pays, l'Ouest, Nord-Ouest, NIP et Latrier, ont chanté une messe action de grâce pour célébrer 28e l'année création PNH, qui ont même dans Port-au-Prince au commandement PNH dans l'occasion, te salué les efforts policiers pour établir la paix dans le pays malgré le contexte insécurité qui est vraiment grave et ils ont vraiment tout, ils même bon côté pas conscient. Yo conscient que le travail n'est pas OK. Le travail policier ici pendant 28 l'année pas comblé attendre divers citoyens dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Toutefois, il fait qu'on est que, malheureusement, c'est pas faute policier, mais c'est plutôt la police là qui t'a politisé en bas contrôle autorité dans le plus haut niveau l'État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est grand pour ça, nous allons pour nous élaborer ensemble aujourd'hui, on après une courte pause, on retourne tout de suite après. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus sur votre chaîne avec Ronette Thomas qui est là pour vous servir. Oui, j'en sais annoncé, dans l'occasion 28e anniversaire la police, là, t'es gagné une messe action de grâce qui t'est arrivé chanter dans l'Académie police, là, en présence du Premier ministre AIPI avec Michel Patrick Boisvert, ministre, là, qui c'est Émilie Prophète, et si que monsieur, pour citer ça seulement, célébrant principal, là, qui c'est Pierre-André Dumas, lui encourager policiers pour être capable de travailler en façon pour reprendre contrôle zone non droit, yo, et lui demander tout pour acteurs, capable de coller pour la police, capable de combattre groupe armé. Pierre-André Dumas, t'es dans le micro. Policiers, nous avons couru un peu de risque. C'est pour ça que nous avons toujours aimé mystique de vie spirituelle, communautaire, sociale, psychologique et psychique, pour être capable d'affronter les actes du mal qui sont constitués par la criminalité organisée, la séduisante corruption, l'irréductible impunité, les gabegies administratives, la mauvaise gouvernance, les injustices sociales, les cruautés parfois impitoyables autorisées, les violences systématiques et sélectives, et surtout la faillite en puissance de l'état de droit chez nous. Nous reconnaissons cependant, comme le dit, l'aurait dit Aimé Césaire, de la tragédie du roi Henri-Christophe. Depuis quelque temps, nous avons assisté à une police qui s'est réveillée et qui a montré à travers des faits que police l'a pas joué, police l'a sous ça, police l'a dépassé tête li, police l'a fait plus que ça l'a capable de faire. Il y a plus créativité, il y a plus inventivité, il y a plus proactivité, il y a plus solidarité entre membres, il y a plus proximité avec le peuple là, il y a une qualité synergie qui dégage, il y a plus efficacité, il y a plus confiance. Nous vous félicitons, chers officiers et officières de police, pour cette forme d'intercommunion, de complicité avec le peuple. La population vous est reconnaissante parce que nous tournons en police pour le peuple là, et le peuple là tout senti, police la Marie Avel, li Marie à police li. Et c'est ça que nous avons toujours besoin et nous devons continuer à améliorer li pour succès qui commençait au parité de la route. Population fière de police li, et le certain que fierté ça l'a prêté et l'a toujours doué police là, pas seulement chandelle, la joue fête lit,
mais que la police là c'est pas lui là tout la contribuer travail avec la police. Crédibilité, fiabilité, confiance, il faut que nous kembel pour service, protection, avec service comme gardien communautaire, capable toujours faire en termes de sécurité, en termes de l'ordre, de discipline, de tranquillité et en termes de renormalisation de la vie du peuple haïtien. L'évangile béatitude, je dis à que nous coûter, l'hypothèse nous vivre réalité ça comme gardien de la paix. L'art de la paix, nous devons le cultiver. Et en même temps, nous devons rester comme des assoiffés de la justice, comme a dit le texte de ce matin. Une parole prophétique, une parole qui peut s'éphonie dans le cœur nous. Heureux les artisans de paix, béati, pachi, fichi. Bienheureux ceux qui travaillent pour construire la paix. Bienheureux ceux qui sont les faiseurs de paix. Bienheureux ceux qui font faire la paix. Bienheureux ceux qui font émerger autour d'eux le royaume de paix, de justice et d'amour. Jésus n'a pas dit bienheureux les pacifistes. Il a dit heureux ceux qui font la paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés les enfants du bon Dieu. Ça signifie qu'il faut nous marier justice là avec la paix. Pour que le cas fondé mission que nous gagnons. Faut nous marier la paix avec la justice pour jouer une identité. La police là tout. L'ordre dans la cité fonctionne quand la paix et la justice, comme dit le psaume 85, s'embrassent. Jésus, il était bâillé la ville, il sacrifiait, même si plusieurs policiers parmi nous tombés, pour qu'il ait détruit la séparation de la commune, la haine, fait disparaître lui, et pour qu'il ait capable de renverser mur de division qui séparait deux peuples saillants. La paix donc est un droit fondamental de chacun. La paix est une valeur importante. La paix fonde l'harmonie sociale, la paix fonde le vivre ensemble. Sans la paix, la société s'effondre. La vie est donc menacée. Le bien-être personnel et collectif est hypothéqué sans la paix. La paix devient l'objectif de la coexistence sociale. Sans la paix, ce sont les blocages qu'on trouve, ce sont des zones de non-droit. Sans la paix, le peuple est comme livré à lui-même. C'est donc une œuvre évangélique, comme nous l'avons écouté, de travailler pour la paix et de faire faire la paix. La police a cette noble mission. Et Saint Paul nous dit qu'il y a une bonne nouvelle de paix. Le psaume 122 proclame que la paix soit dans tes murs, Jérusalem, et la tranquillité dans tes palais, pour le bonheur et la prospérité de notre peuple. Travail pour la paix, c'est pas un bagage où fait toujours quelques jours. Travail pour la paix, pour le réaliser, c'est pour nous apprendre à façonner, forger, polir avec amour et pour nous capables arriver à porter la perfection la paix. Pour que pas un quartier qui chappe en bas main, que vous n'arrêtez, ce sont des espaces perdus. C'est pour nous reconquérir tout espace perdu. Un pays, pas doué que des zones qui abandonnées, côté monde, pas vivre en société, à vivre en banque. C'est pour ça, nous devons mettre toute énergie, tout talent, nous, toute intelligence, nous, tout temps, nous, tout cœur, nous. C'est pour nous accepter, pour nous rentrer dans une dynamique positive, constructive, pour nous qu'aimer formation, nous toujours bien outillés, pour nous professionnaliser, nous, et renouveler, et bien s'annouiller. Premier ministre Ayen, dans l'occasion, a profité pour te saluer courage policier qui a pris ce vie dans une bataille pour établir la paix en d'un pays. Michel Patrick Boisvert, qui lui-même promet avec la police là en soi tout support gouvernement fait et lui fait connaître que sécurité, c'est priorité régime en place. Là. Côté que lui lance un appel à tout secteur pour être capable de mettre tête ensemble pour causer problème insécurité en d'un pays. Patrick Michel Boisvert, t'es dans le micro. À l'institution policière, nous disons que nous savons que la tâche est immense et les défis sont énormes. Cependant, soyez assurés que vous n'êtes pas seul. Le gouvernement auquel j'appartiens et c'est sous le leadership du Premier ministre sera toujours à vos côtés pour vous appuyer dans vos efforts pour combattre les gangs armés qui terrorisent la population. On va être toujours de votre côté pour assainir l'effectif de la police nationale afin qu'on ait une police résiliente. On va être toujours à votre côté pour développer et renforcer vos capacités managériales
et opérationnelle, pour ne citer que cela. Le gouvernement fera toujours des dossiers de sécurité sa priorité. Et les instructions sont déjà passées afin que cette priorité se traduise année après année à travers le budget de la République. Car si nous admettons que la sécurité touche à toutes les sphères de la vie humaine, il est donc primordial que tous les secteurs de la vie nationale s'unissent autour de nos institutions de sécurité afin de garantir la production et la pérennité de ce bien public qu'est la sécurité. Je voudrais saisir cette occasion au nom du gouvernement pour remercier les amis de la communauté internationale pour leur appui sans faille au renforcement de notre police nationale. Une fois de plus, il est nécessaire de rappeler cet impératif d'aller vers une gouvernance nodale de la sécurité en invitant tous les acteurs à participer dans le cadre du respect de la Constitution et des lois en vigueur au processus de coproduction de la sécurité. Pour sauver notre pays et l'aider à relever les défis d'instabilité politique, des problèmes de chômage, de la faim, de l'inflation, bref, des crises économiques et sociales, il est plus qu'urgent que toutes les franges de la société s'asseyent ensemble pour poser les problèmes qui menacent l'existence de notre nation et trouver ensemble des solutions idoines ou moyens d'en sortir. Nous avons tout ministre de justice dans ce bopal qui fait connaître que phénomène insécurité a un gros impact sur moral policier et population. Nous gagnons tout d'une autre part, garde corps république là, eh bien, yo salue présence policière qui vraiment tout conscient de complexité problème là, et yo salue en même temps courage population qui comprend nécessité pour faire un seul avec la police pour couper phénomène gang armé. Et pendant que le tap félicité travail ro état-major policier qui a travaillé pour tabli sécurité en dans pays. DGPNH la France LB te prend la parole tout dans circonstances ça pour te capable remercier premier ministre Ariel Henry avec ministre justice Émilie Prophète qui a accompagné la police là à travers les divers programmes tant qu'on a police coopération coopérative plan spécial retraite régularisation 4-2 débit et la trier élite remercier population pour yo capable accompagner la police là et te remercier population cap accompagner la police pour travail là capable fait plus bien. France LB Tenamikon. Aux familles éplorées et à l'ensemble du corps policier, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une nouvelle fois courage, car le sacrifice de votre être cher n'a pas été en vain. Je réitère que vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Vous avez droit à la reconnaissance de la nation tout entière et de la police nationale en particulier. Que le corps social haïtien en prenne note. Au nom de tous les policiers et policières, je remercie le Premier ministre, son Excellence le Dr Ariel Henry, le président du CSPN, la ministre de la Justice, le ministre des Finances, de l'Économie et des Finances, pour leur accompagnement au développement de l'institution policière et au bien-être des membres de la police nationale d'Haïti. Par l'augmentation des primes de risque à 2 reprises, l'augmentation du salaire des policiers, la régularisation de la carte de débit, l'institution du décret d'indemnisation à l'intention des policiers victimes dans les opérations de police et à des ayants droit des policiers décédés au cours des opérations de police. L'implémentation de l'ONA Police, la création de notre coopérative, bientôt opérationnelle. Le projet du plan social, du plan spécial de retraite, prévu en 3 étapes. Une prime de séparation, une rente mensuelle et des avantages marginaux. Les remerciements de la police nationale d'Haïti s'étendent également à tous les autres membres du gouvernement, les partenaires internationaux, les organismes de défense des droits humains et de la société civile, les membres de la presse et autres pour leur soutien continu. Nous tous policiers, femmes ou garçons, nous disons population merci pour le support. Pour supporter la bataille que nous menons chaque jour pour la paix et la sécurité dans le pays.
La petite population, merci pour l'accompagnement sans faille dans le respect de la loi. Côté que la met côte à côte à la police, dans le respect de la loi pour que nous baillons le pays en souffle, pour nous aider les populations mieux. La part des populations, restez près de la police, supporter la police pendant que Nabdil prend précaution à intoxication. Pas paniquer, parce que victoire c'est pour nous. Frères et sœurs policiers, commandons-nous fiers de nous et félicitez-nous pour l'engagement et le sacrifice que nous faisons chaque jour pour aider la population à râler en souffle pour mener l'activité libre et libre. 28e anniversaire police l'an célébré dans le département nord-ouest pays, occasion yon mes action de grâce te chante tout dans la cathédrale Immaculée de Conception en ville de Port-de-Paix, dans la présence représentant diverses institutions, tant que la justice, la mairie, pour nous citer ça seulement. Célébrant principal la paix d'Olse Jocelyne, li homélie te yote circonstance lan, yote félicité policiers qui vraiment bravé danger pour protéger bien ak servi population. Jepson Petit depuis Port de Paix a dit non plus. Dans l'occasion 28e anniversaire PNH dans le département Nord-Ouest, il y a une messe action de grâce pour dire grand maître la merci, qui est arrivé célébrer bien beau le matin 12 juin 2023 en présence chef paquet porte-PA, maître Félix Aplis, doyen tribunal première instance porte-PA, maître Ernst Marie Kepler de Ravine, la mairie, représentant Ligue Pasteur au Nord-Ouest, révérend pasteur Jean-Claude Terville, famille, zami, pour ne citer ça seulement. Célébrant principal là, révérend Père Jocelyn Dolcé, lui-même les félicité et en courage à JPNH qui mettait vie en holocauste pour capable protéger avec ses vies peuple haïtien si tout devant insécurité généralisée cela. Notre patrie commune avec beaucoup de fidélité de patriotisme. Protéger le bien commun, protéger les personnes, protéger les vies et les biens. Et on l'objectif, c'est la garde de la police la gagner, protéger dans un environnement non sécuritaire, dans un pays où l'insécurité et l'impunité règnent. Policiers, nous vient faire la même. Protéger dans un pays où l'insécurité et l'impunité règnent. Et après, j'aimerais commencer à le dire. C'est juste pour nous partager, pour nous rien récompenser notre là, pour nous garder côté des points faibles, côté des points forts, et qu'on y a pour nous appuyer sur l'autre. C'est un droit que nous avons comme notre droit à la protection. Quant à directeur départemental police Nord-Ouest, commissaire divisionnel Louis Edney Saint, dans un message lui adressé avec policiers dans ces circonstances-là, mandé pour policiers pas baisser les bois malgré impunité et insécurité qui a ravagé le département Nord-Ouest. Le thème anniversaire, c'est courage policier, sacrifice qu'il a fait, aucun institution pas en vie. Malgré les difficultés, les policiers ont toujours mis des uniformes et prennent la rue, avec tout le risque qu'il y a. Donc, le directeur est très fier de vous et l'encourage de continuer, même gens. Il ne pas baisser les bras, il continuer la bataille avec la bataille criminelle. Pour porter un climat de paix et de sûreté par les populations qui vont faire l'occupation. N'a pas rappelé, direction départementale police Nord-Ouest la fête en 28e dans un contexte qui est vraiment difficile. Côté insécurité et impunité, c'est celle qu'on chante. Malgré bon gens, volonté la police gagner dans le département Nord-Ouest là, ça n'a pas empêché. Problème matériel et effectif empêché de faire travail. Jepson Petit, département Nord-Ouest, ville Port-de-Paix, TAC 509. Nous gagnons d'une autre part divers policiers qui parlaient dans Mikon, côté que saluer mariage entre la police et la population. C'est bien sûr le cas pour divers policiers saillants qui ont même déclaré que pas gagné plus bel mariage pendant qu'ils souhaitaient collaboration si la renforcer une façon pour être capable de couper le phénomène d'insécurité dans le pays. Quels policiers étaient dans Mikon? Anissa, l'état-major de la police a retenu comme thème pour célébrer l'anniversaire. Là. On continue pour décoller pour sécurité à Blaï. Donc, c'est un thème qui a en pile signification. Ça veut dire que
mariage pour dire là qui vient de police avec la population. Donc il doit continuer. Il doit continuer de renforcer pour que les gens nous plus fort. Parce que une fois que la population avec la police est ensemble, nous avons plus force pour combattre vraiment le monde. Nous sommes ces résultats. Il y a quelques jours là. Et nous avons aussi des cas qui ont été conduits et moins passés par rapport à les synergies qui ont développé beaucoup de populations et la police qui même qui choisit à vous amener beaucoup. Eh bien, dans ce sens, ça, le message nous, c'est encourager plus de monde à entrer dans la bataille. Okay? Donc, il y a quelqu'un jusqu'à 10 ans. Nous encourageons chaque monde à continuer dans ce lundi-là, ou bien dans le thème de célébrer l'anniversaire de la police à là, pour continuer à protégoler. Donc, tout le monde veut protégoler. Et quel que soit niveau, quel que soit classe, pour te coller pour que c'est une diacablaïde. Le mariage, c'est un mariage. Parce que le mariage, c'est fleur, c'est parfum. Et puis, le monde vient pour tes collaborations, pour content ou un geste. Donc, nous ne pouvons pas définir le mariage dans l'autre genre. Les gens nous définissent là. Et les gens te définissent. C'est ça qui est pour que le plan collabore plus avec nous. Bien que des fois, au fond de quelques petits dérives qui fait, il y a quelques petits bagues qui font rendre la population, il y a un policier ou bien un groupe policier. Mais de nos jours, je pense que les bagailles rapprochées de la réalité que la police avec le peuple, c'est maman, papa, c'est papa critique, c'est maman critique. Sont belles nouvelles. Il doit être comme ça. Avec divorce, ça va bon dans la famille. D'accord. Jean Saté a annoncé tout à l'heure qu'il y a un gros du feu qui était pété dans la nuit dimanche 11 pour l'ouvrir 2 juin 2023 dans le marché 2000 qui trouvait le Delma 29. Dégâts ça yo yo considérable d'après un pile machin yo fait connait que yo perdu toute avoir yo. Pour citer ça seulement, c'est là tout machin n'était pas occasion pour te parler faire passer frustration yo. On écoute ensemble. Sous quelle barrière pour lever, je dis oui après venir. Là, au fini, il y a deux champs qui commencent à prendre du feu. Dans deux champs qui commencent à prendre du feu, ma chère, je te rappelle, il y a un pompier, debout, un pompier, il connaît, il y a une solution. Bon, par contre, c'est un manque de professionnalisme, toute ma chère a brûlé, et même ma voisine a brûlé. Et que ma chère, nous connaissons la situation, nous connaissons l'argent, la banque qui l'a fait, et il y a Kapè gen bank ki ba ou l'ajan menm a 17 a 20%, gen ba ou menm 25%. Yo san sekou, mwen menm, mwen pa kon ki sa pou diyo, mwen kon ki sa pou diyo, mwen konen l'Etat peyi, mwen konen l'administrasyon, mwen
connaît, il y a des marchands, même les moi même pas aider. Il y a des marchands d'une manière ou d'une autre pour aider. Le peu qu'il soit pour le cabal, pour le remembrer encore. Parce que tout le monde n'a pas parti, tout le monde n'a pas quitté le pays. L'autre sac là, il faut que survive. Nous-mêmes, nous décidons d'être là, nous décidons de camper. Pour défendre le pays, pour défendre la patrie, nous pouvons être sacrifiés. Mais nous avons besoin de support. L'État, nous avons besoin de support international, nous avons besoin de support organisation. Nous-mêmes, prestat, nous avons support nous. Et que ma plante nous parce que ma chaîne nous est consolable. Il y a des gens qui toute qualité problème et consolable. Et directement, ma chaîne pas de sécurité là-dedans? Oui, ma chaîne a de sécurité. Tu fais à barre sortir de ma chaîne. Tu fais assez. Tu fais qui sortit dehors dans ton shop. Ton shop téléphone. Ton shop téléphone qui sous côté là, qui en bas. Et là, quand tu fais. Et puis qui propage dans toute ma chair. Nous parlons de malfrats. Nous parlons de malfrats. Non, mais c'est malfrats qui mettent des tifés en bas. Et malfrats qui mettent des tifés en bas, par contre, pour un raison pour l'autre, si c'est pour position politique ou pour combattre quelqu'un, par contre. Mais nous connaissons Emery Delma, c'est un mec qui est toujours présent. En tout cas, il s'est dit qu'il fait dans la zone métropolitaine. Je dis là, nous, Emery Delma n'est pas trop présent au niveau de ma chair. Je connais ça. Bon, Emery Delma n'est pas présent parce que Emery Delma, ça n'a pas de pas trop intéressé. Si tu es intéressé, il est présent parce que moi-même, c'est chercher, ma chercher, lever, mal lever. Si tu es intéressé, il est présent là. Et malgré les gopidis. Malgré l'État, c'est vous. Malgré les gopidis. C'est Emmanuel. L'État. Et tout le monde est là. Tout le monde est là. Nous avons un examen intellectuel pour écouter 33e promotion PNH là, qui est réalisé dimanche 11 juin 2023 sans aucune difficulté dans le département Nord-Est pays. C'est environ 229 jeunes parmi 13 femmes qui s'y mis examen si la yo dans le département correspondant nous. Dans le département Nord-Est là, chez nous, Rosny, va dire plus sur ça. Examen intellectuel pour recruter 33e promotion PNH l'an réalisé sans aucune difficulté dans le département Nord-Est l'an. D'après un communiqué qui sorti dans la direction départementale la police Nord-Est l'an, dimanche 11 juin 2023, dans le local lycée Paul et Jeune Magloire Fort Liberté, environ 229 jeunes, parmi eux 13 femmes et 169 garçons, qui étaient sortis dans différentes communes dans le département Nord-Est l'an, qui voulaient intégrer la police nationale d'Haïti. Tessibi pendant 30 minutes en test intellectuel yo examen sila yo te réalisé sous supervision commissaire divisionnaire Marc André Cadostin qui c'est directeur départemental la police Nord-Est inspecteur divisionnaire Sylvestre Jérôme qui c'est responsable bureau recrutement à Caen au commandement PNH dans le département Nord-Est là prend à faire remarquer sur 257 inscrits c'est seulement 229 qui rivent sibi examen intellectuel yo pour recruter 33e promotion PNH la cap réalisé dans un contexte difficile côté gang armé yo continue à abstiner la troublée dans le pays. Depuis Fort Liberté, chef lieu département Nord-Est, pays d'Haïti, Chenon Rosny pour TAC 509. Divers citoyens dans l'autre bois, région métropolitaine Port-au-Prince, ont montré que yo pas satisfait de 28 l'année création police nationale la. Et yo même d'après yo citoyens sa yo toujours yo critiquer la police la, qui vraiment politisé. Et au lieu de ta protéger et servir la population, qui n'a danger de parler à quelqu'un dans yo et la présenter nous tout un reportage. 12 juin 1995, 12 juin 2023, fait 28 l'année depuis Force Police Nationale d'Haïti a créé pour protéger et servir la population. Divers citoyens dans Port-au-Prince qui t'ont réagi sous 28 l'année création de la police là, exprimé insatisfaction yo sous travail policier yo pendant 28 l'année ça. Nous, vétuer la police, c'est 28 ans de sécurité. Pas satisfait à travailler. Pour le moment, là, c'est business grand qui a sécurisé. Il va sécuriser la population. Ça vient rendre plus de gens dans le pays. Nous avons été deux bois crasés, il y a gardé. Les policiers ont même pris la paix par eux. Nous ne sommes pas satisfaits. D'après citoyens, ça y est.
institution policière a pas bail résultat à cause la police la politisée. CCSPN nan qui souvent prend majorité décision yo. Chef la police en tant que France LB, il pas prend vraie décision, vous connaissez eux même qui pour aller au fou. OK, laissez eux même qui pour aller au fou, c'est eux pour prendre décision, c'est pas CSPN, même pas été quoi que et France LB, elle la réfléchi lui-même en 5e position là, mon cap réfléchi. Pendant ce temps, mon en goumen, c'est la police. Mon en est tombé long tout, de la police. De l'eau vinyo dit c'est la police. Tout bagage c'est la police. Faut nous poser même déjà question tout parce que la police là pas de munitions. Gagno, il y a plus de munitions que la police ça. Police qui volonté vrai, mais il y a moun qui le pouvoir qui pas veut si monsieur fait travail. Police nationale d'Haïti a célébré 28 l'année yo nan moment côté insécurité a pas suspend augmenter chaque jour bon Dieu mette. Acteurs yo nan société civile sans compter politique kwè fòk autorité yo prend bon jan disposition mette frein nan insécurité a. N'ap fè konnen PNH la sous 32e promotion pourtant jusqu'à présent pile moun toujours ap di police la jeune. Depuis Port-au-Prince Haïti ki nan danger. Et voilà, nous gagnons réseau national Pléan Petro-Caribéo qui se centre Carole Levesque et FOSN 57. Yo même c'est quelques parmi nous capables de dire organisation qui bay tête yo mission pour forcer la justice haïtienne faire lumière sur dossier Petro-Caribéo. Dans la conférence pour la presse du 12 juin 2023, yo entend lancer une bataille pour permettre procès Petro-Caribéo arriver fait objectif pour juger et puis condamner tout le monde qui est complice. N'a gagoté plus passé 4 milliards de dollars vêt qui était supposé investi pour permettre bon genre développement fait pour le pays d'Haïti. Directeur exécutif Centre Carole Levesque, Père Gordy Maisonneuve, m'a dit avec population, prend destin en main pour être capable de payer dans l'autre direction. Père Gordy Maisonneuve a apporté plus de précision pour nous. Tant que les criminels du PHTK se retrouveront au pouvoir, tant que ce monsieur Ariel Henry, Matéli et l'autre criminel ça, qui a pouvoir dans la main, le procès Petro-Caribé ne pourra pas se réaliser. Parce que comprenez bien, si c'est eux qui mangent l'argent, si c'est eux qui dépatchent l'argent, il y a une possibilité pour quitter la justice fonctionner ou bien paralyser. Il y a une possibilité pour nommer un juge honnête ou bien nommer un juge corrompu. Même j'ai avec quelqu'un qui est là, il a couru à gonfler la cour de cassation avec la cour d'appel. Eh bien, pas que la cour des imbéciles, il y a pour une décision qui favorable à eux-mêmes. Qui ça vous fait? Pour qu'à bloquer les bagages, ça y est, ils remplissent un paquet d'instances. Ils remplissent un paquet de cours avec le juge qui se reste avec eux pour qu'à bloquer le dossier. Tenez bien, nous-mêmes, j'aime toujours dire là, nous dit d'abord, bon transformation qui vous faites au niveau politique. Bon bataille politique qui supposait faite pour la population d'abord débarrasser le pays de M. PHTK Sayo, administration publique là, de M. PHTK Sayo, et bien c'est à partir de ce moment-là, ensuite, il y a une possibilité pour processer qu'à réaliser. Mais ça qui est plus important, ça qui est important tout, en termes procédural pour nous souligner, c'est que depuis là que nous devons une conviction que M. Tenomon juge, qui était un chat, tout le monde le connaît, il s'appelle Ramos Taximé, c'est pas nous deal. Même le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vient de procéder à la confirmation de cette information en disant clairement que monsieur, attention, c'est un juge parmi l'autre 28 juges qui était tout en manche, il mettait le dehors tout. Nous mettons dehors l'appareil judiciaire là. Et ensuite tout, nous ne pouvons pas oublier la grande information qui est fournie à travers le rapport d'un organisme de défense des droits humains que nous respectons considérablement, qui s'appelle Fondation Jéclairé. Ou alors ce même nous avons dépaté à Gouvernement Moïse à tout, même nous avons dépaté à la Petro-Caribéo. Fondation ça, il était publié un rapport dans lequel l'organisation de défense des droits humains a confirmé que le juge Ramos Taximé avait reçu de la part des dilapidateurs du fonds Petro-Caribé, attendez bien, 2 millions de dollars américains, et c'est ça qui fait tout, l'autre où elle t'a pris dernier ordonnance lien, juge d'instruction Ramos Taximé, oui, à l'aide de l'agence, il a construit un immeuble flambant neuf du côté de Fermat. C'est pas mon dit non?
c'est un organisme de défense des droits humains très prestigieux qui s'appelle Fondation J'éclairé, qui dit, sauf que Kalam qu'on est en roi. Sans oublier André Michel qui définitivement va faire partie bloc avocat cap défendre dossier Petro Caribe encore d'après ça que corps player Petro Caribe a fait connait Maurice Noël qui lui-même rappelait que depuis une année c'est maître Marc Antoine Maisonneuvre qui gagnait responsabilité si là devant la justice malgré toute pression et persécution que yo a subi personnalité si là yo engagé pour capable continuer mener dossier Petro Caribe jusqu'au bout. Maurice Noël, qui lui-même accusé plusieurs hauts fonctionnaires d'État sous régime PHTK, qui d'après lui-même, qui était utilisé, qui était le jouk nan kou, nan gaspillage, l'argent. Maurice Tenant, Mikoun. Y a pile dans l'eau qui marron, y a pile dans l'eau qui mourit tout, gagne dans la prison. Mais nous qui là, nous continuons à demander, qu'on y a ces marées volées, c'est pas dénoncer seulement. Les naptans de Laurent Lamotte. C'est yon nan moun qui détourne presque yon milliard de dollars dans l'argent Petro Caribe. Sa département de tabay là, il joue plus que 60 millions de dollars sont moun épice. Majorité cobla nan mes volets. Côté Matéli, moko tande ou di rien pour Matéli. Côté Sofia Matéli qui gagne 400 millions de dollars dans men pour te faire programme ti maman chérie ti papa doudou. Côté ti Olivier Matéli qui pas même travaille un jour et qui gagne plus de 80 millions de dollars dans le monde. Qui s'est réglé avec pour te renouveler terrain football. Tout le monde connaît, tout le journaliste connaît, le peuple la connaît. Qui s'est Olivier réglé avec 480 millions de dollars. Je dis, nous, pas prêts à dénoncer seulement. C'est une raison de faire nous demander ces pays, la Cour cassation. Nous avons action en dessaisissement depuis en décembre 2019. Qui n'en met la Cour cassation pour te réquisez Ramoussit. Nous connaissons Ramoussit, là c'est une dans le monde qui a cautionné. Par exemple, nous avons l'année passée, Laurent Lamotte, depuis 6 heures, il est dans le paquet. 6 heures, c'est lui qui a parlé le paquet. Eh bien, 10 heures, il a fini, Méchard Fintadel, Ramoussit Fintadel, après ça, il prend l'avion, il retourne dans la cali. Pendant ce temps, tout le monde a mouru, ça prend crasse, dans la boue. Dans le goût, 4 milliards et 100 millions de dollars dans mes volets. Faut que nous jouions comme ça. Et nous créons, nous connaissons, nous avons subi des pressions. Et nous créons, nous n'avons pas de problème avec ça. L'argent Petro-Caribe, qui a dit 4 grands axes, agriculture, éducation, infrastructure, la santé, eh bien, nous voyons l'hôpital général, ça a passé. Nous voyons le ministère de l'éducation nationale, nous voyons comment, professeur, il y a fait 1 an, 2 ans, il n'y a pas touché. Côte comme ça. Côté comme là, eh bien, ça qui est important, je dis, nous, au niveau réseau national de Pléan Petro-Caribe, qui est SKL, Force N157, que nous demandons directement, nous demandons, pour que vous désignez un autre juge dans le dossier Petro-Caribe, rapide, vite, parce que Ramoussi, non seulement il était requis depuis 2019, il continue à faire force, mais, Kounia, CSPJ nous connaît, il n'est pas certifié dans le rapport CSPJ. Faut qu'on un juge crédible, honnête, et que pour commencer, fou que garçon. Nous avons tout phénomène de gangarmé qui a poussé un coup de jonjon dans quatre coins pays. C'est bien sûr une stratégie que le régime PHTK a utilisé pour empêcher le procès Petro-Caribe d'arriver fait selon sa queue. Maître Marc-Antoine Maisonneuve, qui lui-même profité dénoncer la manœuvre qui a faite dans la justice là pour bafouer le dossier si là. Dans quelques que homme de loi encourage peuple haïtien yo dit nous lever camper pour débarrasser pays de régime en place là et régime ça qui d'après lui-même c'est seule façon qui a permettre que procès Petro-Caribe arrive réalisé. Nous gagne politicien haïtien pas boycite qui ont même changé position tant que c'est a changé chemise yo sans position et bien jeudi a dans quand ouais là et bien 2 mois après on l'autre son série de acteurs cap chercher côté de loi couler plus frais. Il y a un phénomène qui prend plus j'arrête depuis après assassinat président Jovenel Moïse là et il montre à clair pas gagner une bonne opposition qui a contre vraiment vrai carré pour pouvoir pour bonne marche institution républicaine. C'est plutôt peuple qui a souffert chaque jour sans secours personne. Il y a un reportage qui parle de chance de connaître ensemble avec Adjani Oximab. Le gouvernement qui assassine un bâtonnier derrière le caillou président, son gouvernement criminel, son gouvernement assassin, pas rien ou capable de faire avec un gouvernement comme ça. Ça, c'est voix porte-parole secteur démocratique et populaire, M. André Michel. Là,
Nous n'en fait année 2019, l'opposition était en flamme dans une bataille serrée côté le tap mandé démission ancien président Jovenel Moïse. Pas de possibilité pour une cohabitation avec un gouvernement criminel, pas de possibilité pour une élection, c'est transition liée dedans. Dans l'époque ça, président Jovenel Moïse était sémanté 7 fois 77 fois, il pas quitté pouvoir by personne sans pas gagner un dialogue. Si nous suspendons, ça n'a pas fait, nous commençons à faire trop longtemps. N'a fait depuis 17 octobre 1806, nous tuer des salines. Depuis le ça, nous pas jamais suspendre fait. Je dis à nous-mêmes, petite soirée à l'école, nous disons d'assier. Et nous dit tout le monde campé. Fouenne, c'est en tant que nous besoin. En tant que nous rouge à nous noir. En tant que nous riche à nous pauvre. En tant que nous la ville à nous en dehors. C'est ça nous demander. En tant que diaspora, nous cap vivre en Haïti. C'est ça nous demander. Et c'est lui n'a fait. Opposition en sous-bopal, pas trop elle pas tendé, c'était mobilisation générale qui t'a pogné à qui un seul objectif pour forcer président quitter pouvoir parce que d'après yo, pap ka gen chita parler à qui yo, président corrompu. Rappelez, bataille nous c'est pour respect la loi, c'est pour respect constitution. Le 7 février 2021, mandat constitutionnel Jovenel Moïse a fini et avant 7 février 2021, n'a pas renversé. Mobilisation par-ci par-là, lock, fermé pays, campé des barricades, c'était seul refrain opposition dans l'époque ça. 7 juillet 2021, n'a examiné la cas ancien président Jovenel Moïse assassiné dans Pèlerin 5. Pour qu'on y a, pays a sans président. Mais, avant de mourir, li te getan nommé premier ministre Ariel Henry qui t'a pral remplacer ancien PM Claude Joseph nan tête primatien. Après assassinat ça, opposition en participant monte voile pour dire depuis Jovenel allé pays a pral bien fonctionner mais hélas, tout bagay vinn plus difficile, la vie a vinn plus chère à ta même phénomène banditisme là a yaya kol nan pays a plus bien. Les haïtiens, gardez calme nous. Parce que la situation est sous contrôle. Conseil ministre nous réunit, je ne dit tout à l'heure, dans stricte application article 149 là, pour assurer la continuité de l'État. Président Jovenel Moïse, pape mouri sans le pavé de justice. Pour qu'à tout le président Jovenel Moïse. Pour qu'à tout l'idée lui. Pour qu'on y a, mon ap cherché ma opposition sous béton. Tant coup d'hygiène moun pa ka wè yo même opposition ça qui pa vle chita ak Jovenel Moïse la al chita ak yon premier ministre Jovenel Moïse te nommé secteur démocratique là si un accord entre dans pouvoir elle même rivé révoquer ministre nous si un accord politique ça pour nous mettez en bande monde dehors de l'état nous si un accord politique ça nous mettez en bande vagabond dehors dans l'état est-ce que pas ça nous fait nous mettez Bedford dehors nous révoquer en fait Vincent parce que c'est monsieur qui kembe prisonnier politique dans prison n'a pas rappelé politicien ici changer position puis elle passer Jean au changer chemise sous yo jodi a yo nan yon camp demain yo nan yon l'autre camp ta kon ta di y a chercher côté de loi ko les pifré pour yo alors que yo toujours dit c'est pour peuple y a bataille en tout cas chaque coucou y a clairé bouger pendant peuple là c'est celle perdant à Diani Oximable Saint-Fleur Taxe 509. Nous gagnons président organisation Sauveur Nord-Ouest là, à merci Clavaroche qui au même dans note de presse qui mettait dehors là pendant week-end là, il plaidait en faveur de yon port de paix propre et il demandait collaboration tout le monde dans cité Cap-Lamor pour changer image métropole Nord-Ouest là. Nous gagnons tout plusieurs dizaines de citoyens dans ville Orcaillé avec diverses sections communales qui étaient victimes malheureusement zak escroquerie Fondation Menahem Kadep Pierre et qui lui-même tape 1000 jusqu'à 2000 dollars américains dans mes certains membres dans cadre d'un programme pour capable aller la Russie président fondation fait connaître que oui
li affilié avec Fondation Vladimir Poutine, qui c'est actuel chef d'État pays la Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Pascal Fleury-Steele, depuis un cahier pour plus de détails. Ça plus tard, on a fait place avec Jonathan Charles qui a présenté nos séances sportives. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique sportive là ensemble avec serviteur Jonathan Charles. Actualité sur le plan local, on a parlé de match de préparation pour la Gold Cup. Sélection haïtienne en cap pour jouer face équipe Miami United Football Club là 16 juin cap vini là. C'est club Miami qui confirmé ça même sur réseaux sociaux yo et déjà mis billets en vente. Match ça l'a bien pour dérouler dans Millender Park Stadium là. Napsia l'équipe Miami United Football Club là fondé depuis 2012, y a évolué dans National Premier League Soccer en 4e division football américain. On a fait connaître tout un match chauffé j'arrête sélection haïtienne senior là était de jouer hier lundi renvoyé pour jeudi. C'est staff sélection Kits et Levitz là qui a annoncé ça à cause mauvais temps. Toujours sur le plan local, football disparition. La Fédération haïtienne de football, la FHF, a annoncé hier lundi 12 juin, ancien défenseur Violette Athletic Club, là, Alex Oussiel, monsieur mouri depuis dimanche, qui était 11 juin, suite à un malaise dans la capitale, là, Port-au-Prince. Alex était fait toute ville, a joué dans l'équipe Violette Athletic Club. Là. Alex était une chance de jouer pour la sélection olympique haïtienne, qui tape Gomé pour l'Ouest, il était joué face éliminatoire Jeux olympiques 1992. Que Ville-Barcelone recevoir. Malheureusement, la sélection a été éliminée. C'est professeur Patrice Dumont qui était dans la tête. Alex était fait partie de la sélection haïtienne Nantou qui était joué éliminatoire pour le mondial 1994. Là, ça, c'est Hans Jean-Baptiste Zenono lui-même qui a dirigé la sélection Haïti qui va arriver à jouer bien qualification. Dans la page internationale, dans le pays de la France, Kylian Mbappé, monsieur, a annoncé qu'il n'a pas levé option d'achat 1 an. Ça veut dire. Li pas prolongé avec l'équipe Paris Saint-Germain. Monsieur lui-même qui était annoncé ça dans un courriel. Li voyait par direction équipe Paris Saint-Germain hier lundi. Ça qui fait Paris Saint-Germain gagne parce que là, 20 Kylian Mbappé dans la période estivale cabinet là. Il a fait 200 millions d'euros cap palé. Si Paris Saint-Germain pas fait ça, l'autre année 2024, Mbappé lui-même libre aller libre. N'a prêté suivre pour nous qui j'en de ces salles même l'a déroulé. Nous parlons de la pays l'Italie pour nous parler de football disparition. Gagné Silvio Berlusconi qui joue dans la molle hier lundi 12 juin, surtout avec une pneumonie, avec une infection pulmonaire tout. Puis j'ai gagné 86 ans depuis un mois d'avril. Monsieur lui-même qui était hospitalisé. J'ai été retourné à la Cali, mais vendredi dernier, monsieur était retourné à l'hôpital et fois ça, il n'est pas tourné. Ancien homme d'affaires italien était acheté Milan en 1986. Après 31e, monsieur était passé dans la tête équipe Milan AC. Pendant la période de l'été président, Milan était champion 29 fois parmi eux 5 Ligues des champions 1989, 1990, 1994, 2003 et 2007. Nous allons écouter en Espagne pour parler de l'ailier Real Madrid, la Brésilien Vinicius José Paciao Junior. Monsieur lui-même capable pour porter 207 là pour la saison prochaine. Et Rodrigo Goes lui-même l'a récupéré 211 là. Nous avons 2-200 ça, c'est 2-200 mythiques dans l'équipe Real Madrid là, surtout avec 207 là. Cristiano Ronaldo, tout le monde connaît celui qui fait et Pigo Cosi avec 207 ça. Mais il était quitté pour Mariano Diaz, même qui était récupéré. Après, il a été pris. Mais là, c'est Vinicius Junior lui-même qui héritier de 207 là. Quand à 211 là, Gareth Bale était poté, il était quitté pour Marco Asensio. Et nous, là, c'est Rodrigo Goes lui-même qui prend le poté. Dans le Palais Coupe du Monde, moins de 20 ans. Final là, l'Uruguay qui bat l'Italie, yon goal à 0. Match là, te joué par le week-end dans le stadio Unico Diego Armando Maradona. C'est mis terrain uruguayen, on a parlé de Luciano Rodriguez. Goal là, te fait très tard, s'il vous plaît. 86e minute de jeu. Et ça permet, ensemble avec sélection uruguayenne, les champions, dans la Coupe du Monde, moins de 20 ans. Si on a regardé dans distinction individuelle, gagné un César Cassadei, monsieur fini meilleur joueur. Monsieur fini meilleur buteur tout, monsieur prend et soulier d'or et nous capable dit ballon d'or mondial moins de 20 ans. Monsieur fait 7 goals dans la compétition, lycéen italien, monsieur gagne 20 ans seulement. Meilleur passeur compétition, c'est Sud-Coréen Velania Sung Won Lee, monsieur bail 4 passes goals. Si nous regardons notre finale là, l'Israël bat Corée du Sud 3 goals à 1. N'a pas les kounia football sélection match amical dans Versailles Stadion hier lundi. Les mêmes qui est à Québec en 2358 places, stade Versailles Stadion 1 qui est dans Villebrême,
Almay fait un match nul spectaculaire 3-3 face à sélection ukrainienne. Pourtant, c'est National Health qui a ouvert ce score là avec Niklas Fulkrug dans la 6e minute de jeu. Ukraine a réagi et était même mené 3-1 avec Tigankov dans la 13e minute de jeu. Il a égalisé. Oudiger, défenseur allemand, a battu le goal dans la 23e minute de jeu. Il a fini 2-1 en faveur ukrainien. Et dans la 2e mi-temps, même Victor Vitali Yotchis et Tigankov, qui a fait 3-1, qui a fait 25 ans, la jeune équipe à Girona. Match à flat, remonté au score. Dans le fait match là, Kaya Vert, 43e minute de jeu. Joshua Kimmich, 90+1. La parle de Kounia de ses Gold Cup 2023, sélection américaine qui gagne notre tête à Karagan. Je mettais là une liste 23 joueurs de l'UE qui pourra jouer Gold Cup là. Toi, goalkeeper aussi Sid Johnson, je suis à Toronto Football Club. Gaga Slonina, je suis à l'équipe Chelsea. Matt Turner qui a évolué dans l'équipe Arsenal là. Défenseur aussi Dejan Jones, je suis à New England Revolution. Il y a deux joueurs Los Angeles Galaxy, Aaron Long, ensemble avec Jalen Neal. Vous jouez un joueur comme Brian Reynolds qui a évolué dans l'équipe AS Roma, Mill Robinson, Atlanta United, John Tolkien qui a joué dans l'équipe New York Red Bulls là, Deandre Yedlin qui a joué dans l'équipe Inter Miami. Mais il y a aussi Gianluca Busio qui a joué dans Venezia en Italie, Georgi Mihalovic qui a joué dans Zedatmar, Aiden Morris qui a joué dans Columbus Crew, Christian Walden dans Seattle Sounders, James Sands qui a joué dans New York City, ou jeune Alan Sonora qui a joué dans l'équipe Football Club Rares là. Attaquant aussi Cad Correll, Mishabjina San Jose, Heath Crackers, Jesus Ferreira, Football Club Dallas, Julian Grissel, Kapjina Vancouver, White Caps, Jordan Morris, Labjina Seattle Sounders, Brandon Vasquez, Kapjina Football Club Cincinnati, Alex Zendeyas, Kapjina Club America, Matt Miaga, Kapjina Football Club Cincinnati. N'a pas quitté football, nous parlons pas les basketball NBA. Hier soir, 5e game n'a été joué. Dans Ball Arena, la Kai Denver Nuggets. Denver Nuggets bat Miami Heat 94-89. Joker Nicolas Jokic, monsieur fait 28 points. Il bat 16 rebonds, fait double-double là. Jamal Murray, monsieur fait 14 points. Kentavious Caldwell Pooper, monsieur fait 16 points. Bon côté Heat, malgré Jimmy Butler fait 21 points. Bam Adebayo fait 21 points, bat 12 rebonds. Denver Nuggets remporté Syrien 4-1. Et tout fini champion, s'il vous plaît, dans NBA. C'est pour la première fois qu'il Nuggets sur sacré champion. Et sans aucun doute, MVP final sur Nikola Jokic lui-même. Avec info basketball, nous avons mis fin à la rubrique sportive là. Jonathan Charles t'a présenté nous. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Et nous pas prêter. Nous avons dit que dernier bagage pour nous aller dans le collectif Carrefour révolté a dénoncé la mauvaise situation de Carrefour qui a fait face actuellement là avec un problème énorme, tout qualité problème de l'eau, courant, électricité pour nous ça seulement. Mackinson imprimé lui-même qui te fait connaître que youn nan membre collectif là yo souhaité gagner de dispositions qui t'apprend pour porter une solution à problème yo et il te profiter tout dénoncer certains journalistes sur réseaux sociaux là qui a simé division nan mitan population Carrefour là. Donc madame monsieur c'est bien sûr Mackinson imprimé qui nan micro actuel population Carrefour pas joindre de l'eau li pas gen courant. Nous pas nous gata sous 4 mois nous pas jamais wè ça qui gère les courants la caille côté l'état central la commune Carrefour non état pour compte li ben je dis à nous dit nous c'est Fontamara nous c'est Carrefour et nous fait ensemble n'a pas été ensemble pendant n'a salué magistrat Jude qui font travail dans commune Carrefour avec droit li avec ti sal gagné nous connaît état fiscalité qui gens taxe pas ca payer à cause nous connait situation pays là. Mais malgré tout, magistrat Jude a travaillé, des concerts avec ancien parlementaire qui député Beauville, nous connaissons un parcours énorme dans la commune Carrefour. De 2016 à 2020, nous connaissons qui ça Carrefour est. Carrefour est paradis. On moun ka sorti la ville, sorti côté le sorti le vin bre ambiance dans la commune Carrefour. Parce que ancien parlementaire qui c'est député Jacques Beauville, te font travail. Il travaille avec magistrat pour mettre commissariat en de commune pour yo pas capable sacrer l'insécurité à pas de niveau insécurité en de commune Carrefour. Mais journée aujourd'hui nous monsieur que l'était réalité lisse, il y a un plan macabre pour commune Carrefour. Et plan macabre li gagne, il sorti pour mettre deux populations en bataille, deux populations qui fait ensemble nous-mêmes Fontamara avec nous-mêmes Carrefour. Nous fait ensemble pour nous rester avec Fontamara soudés. Et nous-mêmes, Carrefour, nous devons être ensemble avec Fontamara, Fontamara doit être ensemble avec nous, soudés.
parce que nous il y a même un droit. En ben je dis à côté nous monsieur Teriel Telis, il dit c'est journaliste. Côté que lui la prend comme pour capable faire sacré les propagande pour quelques monde pour faire kafou entre nos batailles. Si l'institution nous gagne dans commune kafou, nous on monsieur Teriel Telis sorti pour faire institution ça écraser. Nous on monsieur sorti on note on tweet matin côté l'a nommé non chez qui na hôtel. Nous n'ont un droit que nous gagne commune kafou pour acquiser magistrat. Pour acquiser les députés de Beauville qui font travail pour la commune Kafou. Je dis à Teriel Nabdou, sous le coup de main, pour craser la commune Kafou, remettre-le. Et ça va pas passer. Vous avez menti sous deux autorités dans la commune Kafou. Vous ne savez pas que vous rien mal. Vous n'avez pas rien, vous n'avez pas volé. Vous n'avez pas volé comme administration de l'État. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait la propagande. Ou pas respecter métier. N'a besoin attention parce que nous-mêmes nous pas prendre Zack ça dans main, complot ça va faire pour craser commune pas prendre dans main. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est bien sûr Renette Thomas Demikwa qui t'a servi. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Un pays qui finit crasé. L'aime de petit, expression ça pas de gain sens pour moi malgré le té en créole. L'amour te kon partager avec zanmi yo, pas de bon temps pour me chercher comprendre tout. L'aime vin voyager, j'aime commencer l'ouvrir sur quelque réalité. Même te vin pipe réalité ça yo. M'pas t'envie comprendre. Après 10 ans dans pays l'étranger, malgré toute mauvaise nouvelle, nostalgie exige m'vin visiter pays. Et c'est là que je commence à regretter qu'il m'ait grandi. Plutôt que de petit. Pendant la bataille entre nous, nous pas engagés, nous n'avons rien qui est important pour nous. Depuis, c'est pas pour chou qui te mêle ou à kidnapping. Juste pour la ou ka, te kyo qui te mêle ou à pays show. N'a clé ou ne manifeste, mande justice pour Jovenel. Pendant ce temps, juge de paix pour qu'on fait constat de saline. Est-ce que tête nous droite, qui justice n'a pas cherché là? Abraham gen pour lui dire cette assez, n'a pas foutu suspendre à cela. I love my country, je t'aime. Ti pays ça, qui l'en a suspend fait caca. Semble n'a pas foutu en retard. Merci, politicien, merci, bourgeoisie, pour tout ça qui fait nous mal. On met fou dans ta fille, nous. Peut-être nous t'a quitté voler.